Hey Marcus, comment tu vas depuis A Way Out? Eh ben en pleine forme, un peu trop de forme d'ailleurs, regarde, j'ai pris du bide, hein, on dirait, non? Mais t'inquiète pas, tu es parfait comme d'habitude, avec la braguette bien remontée. Et si on joue à Moss? Oh oui, t'as pas peur des souris, ça va? Non, ça va. Eh ben on y va. Marcus, on se retrouve pour jouer à Moss. Mais oui. Un petit jeu VR tout mignon. Oh là là, j'adore. Moi, j'adore la réalité virtuelle déjà. J'ai cru que t'allais dire j'adore ce qui est très mignon. Et j'adore ce qui est mignon aussi. Mais j'adore les souris. J'ai pas peur des souris. Toi, ça va? Moi, ça va complètement. Ça va. Non, mais il y a des filles qui ont l'air comme ça, comme toi, fortes et tout. Et puis dès qu'il y a une souris, il y a plus personne. Donc moi, j'adore la réalité virtuelle. C'est vrai qu'il y a pas beaucoup de jeux. Ça commence à arriver, mais voilà. Il y en a pas beaucoup qui méritent vraiment le détour et l'investissement. Pour moi, il fait partie du top 5 Moss des jeux en réalité virtuelle qu'il faut essayer, en tout cas sur le PlayStation VR. Vraiment, il est dans mon top 5. Tu vas nous montrer pourquoi? Mais oui. Je te propose d'enfiler le casque et de partir directement. Allez, c'est parti. Alors, oh, mais t'as tué cette pauvre souris, mais on est censé veiller sur elle, Salomé. Où tu es? Ah, tu es là. Je suis là. Ah, c'est toi qui dirige. Ah, c'est tiens, moi qui... tu veux jouer? Eh ben comme tu veux, moi j'aime bien. Vas-y. J'aime bien jouer en fait. Oui, c'est vrai, je te tournais la manette mais tu me vois pas en fait. Alors c'est de l'autre côté sûrement. Regarde, elle est là. Bonjour toi. Comment tu t'appelles? Donc, c'est l'école des fans. Bonjour monsieur. Bon, je crois qu'il se passe quelque chose entre nous. Bonjour. Attendez, il y en a une autre qui est plus mignonne là-bas. Bonjour. On dirait une souris ninja. Oh, regarde là, comment il me regarde. Ah, c'est super. Ah là là. Écoute ce que je trouve, alors j'adore ce jeu, j'ai l'impression d'être dans un décor, un diorama de jeu de rôle ou un truc comme ça, regarde l'eau et tout. Moi j'adore, là je suis ailleurs. Alors je suis ravi d'être avec toi sur ce canapé, hein, oui, mais tout à coup je suis ailleurs quoi. Et moi c'est ce que j'aime dans la réalité virtuelle quoi. C'est un jeu de plateforme, donc on se promène, on explore au fur et à mesure. Faut essayer de franchir les obstacles, donc bah, là tu vois j'ai ce petit pont de bois. Le petit pont de bois, le petit pont de bois. Je suis content de voir qu'il n'y a pas que moi qui ai des références des années 80, voire pire. Je peux, tu vois, dès qu'il y a des trucs comme ça, je peux les arrêter en fait. Voilà. Oh rigolo. Tu vois, avec la manette. Hop, je vais le stopper, hop, et je vais sauter par-dessus. Voilà. Eh, plutôt pas mal, donc. Oh, au revoir. Oh mon dieu, je l'ai tué. Au revoir. Au revoir. Ah, regarde, il y a des petits trucs à trouver. Oh, qu'est-ce que tu as lancé? C'est des petits bonus en fait. Il y en a un et un petit parchemin caché dans chaque tableau. Il faut essayer de le dénicher. Tu peux pas sauter de l'autre côté directement? Non, c'est trop loin. Je pense que c'est trop loin. Il faut attendre qu'il y ait une plateforme. Voilà, ça c'est pas mal, tu vois. Ah. Ce petit truc devrait me permettre de passer. Tranquillou. Ah, pas mal. Voilà. On me glisse dans l'oreillette que c'est pas il, c'est elle. Ah oui, c'est vrai. Oui. Alors, petite souris mignonne. Tu passes au prochain niveau? Oui. Regarde. Oh, la belle marions-nous, marions-nous, Salomé. On est au milieu de l'église. Mais oui, regarde. Je dis oui. Avance. L'hôtel est notre témoin. J'amène le prêtre. C'est magnifique. Je ne sais le pas. Le prêtre est là. Non, il est. Je ne le vois pas. Et voilà, ça c'est l'endroit, en fait, c'est ça le menu, tu vois. C'est l'endroit où tu vas choisir les différents niveaux une fois que tu as fini le jeu. D'accord. Et c'est là où tu vas passer d'un niveau à l'autre. C'est un des plus beaux jeux en VR, avec Resident Evil, qui est pour moi le jeu qu'il faut absolument pas rater. Alors ensuite, avec Moss, on est quand même sur un petit jeu contemplatif mignon, beaucoup moins anxiogène qu'un Resident Evil. C'est vrai. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, les jeux que moi j'aimais beaucoup sur VR, c'était Resident Evil du coup, et aussi ce jeu Rush of Blood, ce qui est inspiré de Until Dawn, qui est un jeu Until Dawn qui était extraordinaire. Alors, regarde, je l'ouvre la porte avec ma manette. Voilà. Avec ta petite luciole. Avec ma petite, on dirait une méduse, je sais pas ce que c'est. J'ai envie de le manger. T'as une petite, en bas à droite, on dirait une espèce de petite naviciole comme dans Monster Hunter. Ça, magnifique, c'est un vrai conte de fées en fait. Très réussi avec des petites énigmes parce que souvent tu te demandes où il faut passer. C'est moins de l'agilité que de la réflexion. Tu vois, par exemple, là je peux tirer ce bloc. Hop, enfin, je peux essayer de tirer ce bloc. Ne veut pas. Ne veut pas venir. Donc voilà, par où il va falloir que je passe. Je sais pas. Est-ce que je peux bouger ça? Oui, tu vois, visiblement. Regarde, il y a un passage derrière. Tu peux pas le pousser? Ah, t'as raison. Bah, je vais tirer, fallait juste pousser. Ah, t'es maline! Mais quel duo incroyable! C'est vrai que... C'est tic et tac. Mais puisque tu fais la maline, tu veux pas prendre la manette? Parce que du coup, Amy, je garde le casque. Oh mon dieu! Oh non! Je l'ai tué! Oh mais t'es bloqué! Ah oui, non, c'est bon, tu peux pas. C'est pour même. Ça qu'il vaudrait mieux que tu prennes les choses en main, parce que... Là, par exemple, je peux pas monter vers l'eau. Ouais. Mais si je lui demande, regarde. Elle me regarde, fait « Mais non! Mais je peux pas! Je te dis que je peux pas! C'est pas possible, regarde! » T'as vraiment une vie parallèle avec cette petite souris. Ah, moi, j'ai... C'est vraiment adorable. Je veux me paxer avec elle. Je l'adore, vraiment. Tu veux être marié avec moi, tu veux te paxer avec la... Ok, Marcus, ouais. J'en ai marre. Reste là. Tu es toujours là? Tu es là, c'est toi. Ok, c'est moi.
Je vais t'admirer. Oh, bah tiens, il n'y a pas que moi. Alors là, du coup, il faut que tu fasses bouger ce bloc. Parce que sinon, tu vas être coincé. Il faut que tu bouges ce bloc-là. L'autre bloc. Eh oui, tu es obligé de te rapprocher de moi. Eh oui. Qu'est-ce que je suis malin. Il est malin comme un singe. Oh là 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 là. C'est très compliqué, ce défi. Eh ben, en fait, justement, le fait de pouvoir te placer où tu veux te permet de mieux, de mieux apprécier la profondeur. C'est dur ce qu'on fait. C'est vraiment un truc d'amoureux, tu vois, il faudrait que ce soit devant moi ou derrière, je ne sais pas. Et tu vois, enlacé comme ça, voilà, faut une position un peu compromettante. Nous, on ne se connaît pas encore assez pour qu'on puisse faire ça tous les deux. Tu veux dire? Avec son chéri, sa chérie, ça peut le faire, quoi. Ah, la petite. Et saute-moi ce précipice. Voilà, c'est parfait. Ça devrait mieux aller après. Est-ce que tu veux pas essayer avec le casque, regarde. Écoute, éventuellement. Ce sera mieux. Comme ça, le monde. Oh mon dieu, c'est trop moche. C'est trop moche. Je retourne dans la réalité virtuelle. Je veux bien aller un petit peu dans la forêt parce qu'il fait quand même assez moche à Paris depuis quelques temps. Ah oui, c'est vrai. Mais ça n'a rien à voir. Non, c'est vraiment hallucinant. À l'intérieur. Parce que ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on... Enfin, si... Mais ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on voit à l'écran. C'est-à-dire qu'à l'écran, on a vraiment une impression de 2D, tandis que là... Ah bah, t'as l'impression de 3D, il y a un vrai relief. Ah mais t'es vraiment dedans. Oh ! Mais elle est là, Mais elle est là, ma souris, regarde. Alors, ce qui est incroyable, c'est que t'as vraiment... Je comprends mieux maintenant quand tu disais qu'il y avait une somme de détails hallucinants. Oui. Bon. Là, t'es une espèce de petit nuage de boules noires. Ouais, c'est peut-être des petits insectes, ou je sais pas. Mais j'ai vraiment envie d'y jouer pendant très longtemps. C'est assez incroyable, en fait. Oh ! Ah oui ! Et ce qu'on peut pas voir aussi dans un écran télé, si je regarde juste le jeu comme ça, je vois pas du tout derrière la branche, donc il faut vraiment... Oui. Oh ! Mais il y a tout un autre monde là-bas. Mais tu vas y aller même tout de suite. Mais c'est pas possible. Il faut que tu arrives à faire le tour, par contre. Alors, un truc pas mal aussi, quand la souris est cachée par un élément du décor, on la voit quand même en surbrillance. Donc, ça, c'est plutôt bien. Oh, bravo, t'as trouvé le petit parchemin. Mais oui, elle est trop belle. Alors, vas-y, tu vas aller prendre le radeau qu'il y a derrière. Faut que tu reviennes sur tes pattes. Je reviens sur la plateforme là-bas. Ouais. Je suis très contente que tu m'aies passé le casque, parce que jusqu'à présent, je trouvais le jeu très mignon. Mais je comprenais pas ton engouement. Et vraiment, en étant dedans, c'est... J'ai rarement vu un jeu aussi beau. C'est vrai, hein, c'est vrai. Et encore une fois, on s'en rend pas compte forcément sur un écran plat. Ça, faut l'essayer, vraiment. Je suis bluffée. Et merci, Marcus, de m'avoir passé... Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Ah, de rien. Moi, je suis fan de ce jeu, donc c'est un plaisir de le faire découvrir à tout le monde. Je te comprends quand tu en es sorti tout à l'heure et que tu as dit « Ah non, le monde est laid ». Allez, vas-y, sors de là. Sois courageuse. Et puis, c'est moi que tu vas retrouver. En plus, ça va pas aider. Je vais t'aider à faire la transition. Voilà, regarde. Mais elle est là, ne pleure pas, elle est là. Regarde, on peut même la mettre dans un petit décor un peu joli, voilà. Voilà, elle est dans l'herbe, hein, tu regardes l'herbe, voilà. T'es encore dedans. Merci beaucoup d'être venu dans Playtime. De rien, on s'est bien marré. C'est plus efficace qu'une séance de sophrologie, une séance de psy et 3 heures de sport réunis. Hein. Exactement, moins cher et moins fatigué. Ah mais t'en sors reposé, je suis zen, je pense que je vais aller méditer. Merci de nous suivre sur Playtime, merci de venir à chaque fois voir nos émissions. Et merci Marcus, en tout cas sur Game One. Ah oui, je serai là, Game One, No Life, je serai là. À essayer des jeux comme ça, tu sais, c'est le bonheur, voilà. Je retourne. Allez. Non, ne m'en empêche pas, laissez-moi aller dans le monde. Je reste avec la souris. Oh là là, c'est tellement mieux. Ah, je peux dormir ici? Tu peux, à la belle étoile.